les offrandes déposées, l'encens en train de brûler, ce pauvre soldat naufragé allait connaître le repos une fois qu'Hermès l'aurait guidé vers Charon. Bon, Phénix va peut-être pouvoir nous rapprocher un peu plus de ce qui nous intéresse, non ? Ce n'est pas un manque de concentration, tu sais. Selon moi, Phénix prenait du recul pour mieux voir.
femme de Lemnos. Même pétrifié, il se dégageait d'elle l'odeur du châtiment d'Aphrodite. Littéralement. Tu sais que c'est un complot quand même. Une bande de femmes de Lemnos a décidé de tuer tous les hommes, et tous les mortels ont accusé Aphrodite, disant qu'elle les avait fait sentir aussi mauvais pour que leur mari refuse de les toucher. Ce qui a une certaine logique. Tu n'imagines pas ce qu'on apprend en passant l'été sur Lesbos. Bellérophon était si rapide qu'il s'est cru capable de faire voler Pégase jusqu'aux marches du mont Olympe. Et du coup, je l'ai renvoyé à sa place, sur Terre.
Phénix avait survécu à la rage de Typhon. Pour l'instant. Ah!
tous les animaux mythiques furent enfin vaincus. Ce qui ne manquerait pas de plaire à Aphrodite. Je m'en suis sortie de justesse. J'ai vaincu les bêtes de Typhon, comme tu l'avais demandé. Oh, que j'en suis heureuse. As-tu pu récupérer leur peau? J'aurais besoin d'un nouveau manteau. Non. Ça, non. J'irai donc les chercher moi-même. Ces créatures étaient repoussantes, mais leur fourrure était splendide. Tu ne m'as quand même pas demandé de les tuer pour t'en faire un manteau? Oh, bien sûr que non. Pour qui me prends-tu? Hermès, les fourrures sont prêtes. Enfin! Oh, tiens, Phénix, une récompense. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi.